Bonne journée à vous. Suivant. Oui, c'est moi. Excusez-moi. Puis-je avoir deux billets pour Pentecôte, s'il vous plaît, c'est urgent. Excusez-moi, êtes-vous aveugle? N'avez-vous pas vu qu'il y a une file d'attente et que je suis la prochaine? L'avez-vous pas vu, n'est-ce pas? Ah, je suis désolé. Je suis vraiment dans l'urgence. Veuillez m'excuser. Et vous savez quoi? Ajoutez votre ticket à ma facture, je paie. Pardon, ne m'insultez pas pensant que cela me donnerait du sourire aux lèvres en disant que vous voulez payer mon billet. Épargnez-moi tout désolé, ça. Désolé, je suis désolé. Je n'avais pas l'intention de vous insulter. Ce n'était pas mon intention, mais le fait de vous donner le sourire, ce ne serait pas possible parce que on dira que vous avez le problème du monde entier sur votre bien tête. Bien sûr, bien sûr. Pourquoi n'aurais-je pas le problème du monde entier sur ma tête? Vu que ce sont les gens comme vous qui le causent. Mon ami, dégage, je suis la suivante. Écoutez, s'il vous plaît, c'est très important et je vous en supplie. C'est très urgent. Si je rate le billet d'aujourd'hui, c'est parti pour demain et ce serait tard pour moi. Pardon, je vous en supplie. Je suis désolée. C'est son tour et nous devons la servir premièrement. Peut-être que vous devriez la convaincre car il ne vous reste plus assez de temps. C'est ainsi donc. Monsieur, demandez juste pardon. Arrêtez d'utiliser des yeux sexy et des lèvres roses. Ouvrez la bouche et demandez pardon au lieu de faire le fier. Pouvez-vous m'aider, s'il vous plaît? S'il vous plaît. Vous pouvez le servir. On aura tout vu. J'ai vu des poitrines. J'en ai vu plus grandes que la vôtre, mais elles ne m'ont jamais oppressé. N'importe quoi. Il va juste à Pentecôte et il fait comme s'il allait à Londres. N'importe quoi. C'est moi qui vous envoie, regardez-moi ça. Et il pense que c'est parce qu'il a de l'argent. Désolé. Êtes-vous toujours aussi perturbante? Et vous, êtes-vous toujours aussi imposant? Je ne l'étais pas, j'étais juste dans la précipitation. Je n'étais pas non plus perturbante, je me battais juste pour mes droits. Mervyn. Je m'appelle Mervyn. Soudain, il veut être galant. Pouvez-vous au moins vous comporter comme une femme? Maintenant, il veut me dire comment me comporter. Loin de ça. Mm-hmm. Quel est votre nom? Je ne donne pas mon nom aux étrangers. N'est-ce pas par hasard une réponse d'adolescente? Pour moi, ça marche très bien. Vous conduisez? Pourquoi? Vous voulez me déposer? C'est pas une mauvaise idée. Il y a quelques minutes, tu te comportais comme un homme désespéré qui sautait de haut en bas. Maintenant, tu as tout le temps pour me questionner. C'est quoi? Tu as du coup perdu ton travail? Jésus, est-ce que vous devez tout dire à propos de tout? Tout ce que je vois, c'est une belle fille avec qui je veux être ami. Ami? Qu'est-ce qui te fait croire que je veux être ton ami? Je tente juste ma chance. Je suis pas intéressée. Attendez. Je ne dis pas que je vais sortir avec vous, voyons. Je veux juste qu'on soit amis, c'est tout. Pourquoi? Quelque chose me dit que vous êtes aussi folle que moi. C'est sûrement les anciens de ton village qui te les chuchotent. Et tu sais ce que j'ai entendu? J'ai entendu dire qu'ils induisent les gens en erreur. Devinez quoi? Ce sont les mêmes qui nous induisent en erreur qui m'ont permis de te trouver. Alors, on est amis? Non.
tu vois. Il est tellement drôle. Une minute, j'ai voulu lui mettre un coup de poing dans la figure. La minute suivante, il me demande d'être son ami. On peut faire ça? Oh, je suppose qu'il était vraiment dans la précipitation. C'est pour ça qu'il a opté pour te payer ton billet. Mais comme tu es une fille qui aime tellement faire les palabres, avec une arrogance, tu as rejeté son offre. Je ne voulais pas qu'il me trouve misérable. Pensant qu'avec son argent, il pouvait tout obtenir. S'il te plaît, je pense qu'il aurait dû me le demander respectueusement, plutôt que de sauter la file d'attente. Oh, Sia, nous ne pensons pas de la même manière. Je suppose qu'il pensait que c'était la bonne chose à faire à ce moment-là. Il a vraiment mal pensé. Bien, je suis contente que tu lui aies autorisé. Je suis quelqu'un de bien, tu le sais. Oh, regardez qui parle. Suis-je aussi mauvais? Regarde-toi, tout ce que je fais ne prouve pas que je suis une bonne personne. Ce n'est quand même pas tout ce que tu fais. Bien. Il fallait voir comment elle s'est défendue. Elle a même refusé l'argent que je lui ai proposé pour son billet. C'est une vraie poignée. On dirait que t'es prête à tout pour des femmes bruyantes. Non, non, pas les femmes bruyantes. J'aime juste les femmes qui sont agitées et expressives. C'est pour cela que nous sommes différents. Je suis plus réservé et je ne veux pas de femmes qui m'exposent en public. Il faut que tu mettes du piment dans ta vie, frère. Je voudrais pas que ta femme te quitte dès la première année de votre mariage. Raison pour laquelle je prends du temps pour trouver la bonne fille. Tu devras faire de même. Je plains pour ta femme. Je suis sûr qu'elle va être une femme bien organisée, très certainement. Elle ne se perdra pas. T'en es sûr? Mon frère, alors dis-moi, c'est quoi le prochain plan? C'est quoi cette bêtise? Mais qui a garé cette voiture? Qui a garé cette voiture? Allez, bougez cette voiture, je veux sortir. Les gens de ton village t'ont-ils rendu fou, quoi? Toi? Toi? Es-tu en train de m'espionner? Ceci ressemble-t-elle à une rue que tu possèdes? T'as eu une langue tranchante pour tout ce que tu dis. Tu te débrouilles pas si mal, toi aussi. On se retrouve en cœur. Après 24 heures. Nous sommes censés être amis. Ha! Ça, j'en doute beaucoup. Écoute, je ne vis pas dans cette ville, d'accord? Je suis venu juste faire quelque chose. Et une fois que je finis dans 10 jours, je retourne à ma base. Donc, je doute que l'amitié fonctionne. 10 jours? Wow, c'est vraiment une coïncidence. Je quitte aussi la ville dans 10 jours. Alors, pourquoi ne pas être amis pendant ces 10 jours? Ce qui veut dire? Ce qui veut dire que si tu as 10 jours à passer, pourquoi ne pas faire de moi ton ami pour ces 10 jours? Sans engagement. Et qu'est-ce qui est censé se passer durant cette prétendue amitié? Tout ce que tu voudras. Juste sortir, balader, s'amuser, faire des folies. Nka. Nka banka. Attends, j'espère que c'est pas ces genres d'amitié avec des intérêts qui n'ont pas de sens. Ah non, non, non. Non, pas du tout. Strictement de l'amitié. Je te le promets. Pas de frontières franchies. Ça te dit? Ah ah! Ah! C'était eu! Je vais te le rendre. Je t'ai vraiment eu. Ouais. Alors, maintenant que nous sommes amis, quel est ton nom? Sia. Sia Pao. Sia. Est-ce ce nom anglais, Sia, qui veut dire voyant? Ça se prononce Sia, mais s'écrit S-I-Y-A. Ah, désolé. Et d'où viens-tu? Bassa Joss. Bassa. Pas étonnant que tu ne fasses pas partie des gens communs dans ce pays.
Bassa. Étant dans Mère Vincent, comment j'ai aspiré une chemise périmée d'une marque inconnue? Est-ce un nom? Si tu es vraiment fière de ton nom, vas-y, dis-moi ton nom d'origine. Je parie que je vais me casser la mâchoire en essayant de le prononcer. Ne m'insulte pas. Ah, ça fait mal, hein? Donne-moi ton numéro. Donne-moi le numéro pour que je puisse t'appeler. Que je t'appelle de temps en temps. Voilà. Yeah. Bassa. Si tu dis encore quelque chose... Ça va. Désolé. Allez, bouge ta caisse et laisse-moi passer. Es-tu défoncé? Qui es-tu? Qui t'a envoyé? Quelque chose ne va pas chez toi? Donc, qui t'a donné le permis? Qui t'a donné le permis? Quelle est l'excuse? Oh, tu veux abîmer ma voiture? Vous avez cogné ma voiture et vous voulez me faire encore de problème? Qui a cogné ta voiture? Qui essaie de m'énerver là? Est-ce qu'il m'énerve? Tu t'es arrêté subitement. Parce que tu étais au téléphone, tu parlais. Oui, et c'est ton erreur numéro 1. Oui, d'ailleurs, et puis, tu as défoncé ma voiture et tu essaies d'utiliser la vie de la gosse sur moi. Es-tu malade? T'inquiète, nous allons t'arracher cette voiture et tu vas te donner une leçon. Toi-même. Devant peut-être appeler la police. Allez-y, appelez la police. Oh, j'aime bien ce type, il a de la gueule. Je vais te montrer. Bonjour. C'est le commissariat de police? Oh oui, je vais bien, monsieur. Oui, j'ai reçu l'invitation de mariage. Oh, je suis désolée, je ne pourrai pas venir, monsieur. Oh, quel dommage. Bon, c'est pas la raison de mon appel. Monsieur, un idiot vient de cogner ma voiture. Et il était au téléphone en train de passer en appel. S'il vous plaît, envoyez vos gars maintenant. Envoyez vos gars, dites-leur de venir, qu'ils monsieur. Ils viennent tout de suite. Je vous enverrai ma localisation. Oh, il essaie de s'enfuir, quoi? Hein. Connard, il essaie de s'enfuir. Assurez-vous qu'il ne part pas haut, il essaie de s'enfuir. Où est-ce que tu vas? Monsieur, d'accord, vous arrivez. Deux camionnettes, d'accord, merci. Je t'assure. On allait s'endetter facilement comme ça. Toi là. Tu as vu sa tête là. J'ai vraiment failli rire. Tu as vu son visage? Tu sais, quand je simulais l'appel, je priais juste. Tu sais, quand notre appel n'entre pas pour tout gâter. Oh non. Je t'assure. Rien, j'ai jamais rien vu de tel. Mais je suis un génie. Toi comment? Tu es un génie comment? S'il te plaît, ne prends pas la gloire de ce que tu n'as pas fait. J'ai trouvé le plan toute seule. Pourquoi essaies-tu de voler ma gloire? Non, c'est pas toi, c'est pas possible. Si tu veux être avec moi, ouvre ton cerveau. Si c'était toi seul, tu ne seras pas aussi créative. Gars, je suis un crazy girl. Hein. Non, tu ne peux jamais être plus crazy que moi. Tu te disputes avec moi? Mais pourquoi disputer? Non, dis-moi, tu te disputes avec moi? Que quoi? Tu es plus folle que moi? Tu sais quoi? Quoi? Je ne me vante pas, je vais te montrer. Négro, gare! Que je gare? Serre-la, arrête la voiture, serre, je vais te montrer. D'accord, allez, t'inquiète, serre. Je vais serrer. Serre! On verra qui est le meilleur. J'ai pas de bouche à faire, je vais te faire la leçon maintenant. Allez, serre vite et tu vas voir. Attends juste que je serre. On parle, toi, tu es ici à faire la bouche. Voilà. Descends. Non, vraiment. Vraiment, je suis d'accord. Je suis d'accord, je m'incline. Regarde, je suis au garde-vous. Je m'incline, je te salue. Donne du respect. Je suis d'accord. À mon nom. Ouais. Je me disais que j'étais fou. Mais toi, mon ami... Tu es la déesse de la folie.
Bien, bien. Donne du respect à mon nom. Merci. Vrai. Ah. Écoute, laisse-moi te dire. Si ce gars te croise quelque part un cœur, ce sera fini pour toi. Pourquoi? Je t'en prie, laisse-moi tranquille. Je ne faisais que s'amuser. Tu t'amuses à son propre détriment. As-tu vu la façon dont il s'est dévoilé? Il a emprunté la voiture, je l'avais vu venir. Yeah, j'étais choquée. Quand il avait dit qu'il a emprunté la voiture, j'avais eu envie de rire. Mais il allait comprendre, donc je m'en suis réservée. Mais tu sais, tu n'étais pas si mal, mais tu as l'air d'un apprenti. Je veux dire, la façon dont tu as sauté dans le jeu, ça m'a choquée. Oh, non, non. Je te l'accorde. Alors, maintenant que tu le sais, je pense qu'il ne reste que tu m'appelles reine. Tu es la reine, je m'incline. Que puis-je te servir? Ah. Monsieur, parle. Que peux-tu m'offrir? Je te le demande, dis-le. Sois juste créative. Laisse-moi voir à quel point tu es créative. Être créative en boisson. Écoute, monsieur, si je te sers une boisson de marque, ne la rejette pas. Où voudrais-tu du sodabi ou takbalou? Regardez cette fille locale. Tu veux quoi? T'es juste une fille locale. Traite-moi comme ça. J'aime être locale. Merci. Allez, réponds maintenant. C'est bon, apporte-moi n'importe quoi. Comme tu dis rien, je te sers de l'eau. Quoi? De l'eau pourquoi? N'essaie même pas. Mais ça. Mais tu n'as rien précisé. N'essaie As-tu pas. As-tu proposé quelque chose? N'essaie pas. Si j'apporte de l'eau, ne la bois pas. N'essaie pas, hein. Toi, attends seulement. D'accord. Cette fille. Tu parais tellement différente ces deux jours. Oh oui, c'est parce que je ne savais pas que je pouvais m'amuser autant seulement deux jours, tu vois. Je me sens tellement libre et vivante. Je me sens comme si je pouvais librement m'exprimer. Comme sans retenue aucune. Et je sens qu'avec lui, je peux m'envoler. Il est prêt à s'envoler avec moi lui aussi. Pas de jugement, pas de discussion inutile. Alors, est-ce que cela s'adresse à quelqu'un en particulier? Pardon, pardon, n'allons pas là-bas. Je suis heureuse maintenant et je veux le rester. Oui, le bonheur est une chose que tu te dois à toi-même. Sois heureuse, mon amie. Bien sûr, ma sœur, je le suis. La vie unique. Et n'oublie pas, cela se terminera quand tu iras à l'Est et retourneras à Abuja. Eh oui, je sais, mais je vais en profiter. Et je vais en profiter jusqu'au bout, d'accord? Et aussi, n'oublie pas les limites. Bien sûr, c'est bien clair. Je ne suis pas mauvaise à ce jeu. Es-tu sûre? Ah ah. Bado. Regarde-moi. Mal. Regarde-moi faire. Que vas-tu faire? Regarde, regarde seulement. Vas-y. Regarde-toi, tu vas balayer le salon. C'est toi qui balayes le salon. Je fais toujours. Bado. Attends, attends, attends. Quoi? Vaut rien. Vas-y doucement, mon frère. Tu sais que cela ne doit pas aller très loin, n'est-ce pas? Nous ne sommes que des amis. Nous ne sommes que des amis. Même si j'aimerais pouvoir l'être davantage, mais nous sommes que des amis. Respecte-la et maintiens les limites de votre accord. T'inquiète, bro. Je suis peut-être fou, mais tu sais que je respecte les femmes. J'essaierai de rester dans les limites de l'accord et ne pas passer les frontières. En fait, je ne suis pas sûr qu'elle sache que je suis tombé amoureux d'elle. C'est bien. Quand reviens-tu? Dans deux jours. Après ma réunion, je vais attendre certaines personnes qu'on puisse quitter ensemble. D'accord, c'est bien. Transmets mes salutations à la mystérieuse fille. Cela n'arrivera jamais. Nous gardons notre vie privée pour nous. Cela ne s'est jamais produit. Oui, nous l'aimons comme cela. Oui, vraiment. Et sérieusement, cette affaire, je m'en charge moi-même. Il s'agit d'affaires d'argent, n'est-ce pas? Vraiment? Je ne plaisante pas. Gare, ne me dénigre pas. N'essaye pas. N'essaye même pas.
Je suis sérieuse, j'avais pas fait ces appels l'année-là. Donc, tu fais partie de ces gens-là qui disent cette année. Les gens d'appel gratuit. Vous dormez la journée et vous vous réveillez la nuit pour faire des appels gratuits. À nous fouler. C'est toi qui le dis. Ah, bien. Tu as l'air fatigué. Et pourquoi ne pas aller au lit? Bonne nuit. Très bien, bonne nuit. Coupe l'appel ou bien... Ah, c'est pas un concours de respiration, coupe l'appel. Pas question. Si tu m'attends pour couper cet appel, tu vas attendre jusqu'à demain matin. Oh d'accord, je suis prête. C'est comme si tu n'avais rien appris, tu ne sais pas que je n'aime pas perdre, hein? Voyons qui raccrochera en premier. D'accord. Ouais, bonjour Grace. Bonjour Marvin. Tu es très matinal. Oui, j'allais faire du sport et j'ai pensé qu'elle aimerait se joindre à moi. Mais si elle dort encore. Ah bon? Mmh. D'accord, t'inquiète. Seigneur, réveille-toi. Tu veux me tuer? Tu as failli me donner une crise cardiaque. Je l'ai fait? Mm-mm. Oh, je suis désolé. Eh bien, je suis pas désolé. Ça veut dire que je vais faire ça plus souvent. Que fais-tu ici?
on dérange les gens dans leur maison. Oh, ma personne sensible a décidé de venir réveiller mon ami sensible pour qu'on aille au footing afin que tu te dégraisses. Oh. Allez, lève-toi, regarde l'heure, il est tard. Tu veux dire que je suis grosse? Ah, tu me connais très bien, je ne sais pas comment rester dans l'évidence. Écoute, tu as réussi ton plan. Assois-toi et laisse-moi me débarrasser de ces déchets avant de te suivre. Sinon, hein, si je vais là-bas avec ces choses... Vas-y, tu as besoin de tout vider. Vas-y. Va tout vider, je ne veux pas que tu sois mal à l'aise. Vas-y, je vais faire ton lit pour toi. Vide tout et sors de là, d'accord? Juste attends. Attends-moi que je revienne et tu vas me répéter ce que tu viens de dire. Oh, qu'est-ce que j'ai dit? Mais essaye de sauver ta peau, hein. Ne me laisse pas te retrouver. Attends, c'est comme un volcan? Plus qu'un ouragan. Oh, waouh. Là, je suis là. Je vais sentir les effets. Ça va te choquer. Je te préviens, hein, ça va te choquer. Oh non. Vilain type. Fais vite. J'arrive. Nous n'allons pas passer beaucoup de temps ensemble aujourd'hui. Parce que j'irai faire du shopping avec mon frère. Et après, je l'accompagnerai à sa réunion. D'accord. C'est très bien. Va t'occuper de tes affaires puisque ce sont des choses urgentes, je crois bien. D'accord. Alors, voici ce qu'on va faire. Je t'appelle le soir. Je viens te chercher et nous allons chez moi pour la première fois. Et tu rencontreras mon frère. Oui, mais... Je sais. Je sais que tu veux pas aller chez moi. Je sais, mais s'il te plaît... Permets-moi de t'y amener juste pour voir l'endroit. Et je te ramène à la maison. En toute vitesse. D'accord. Tu sais quoi? Va t'occuper de tes courses. Je t'appellerai dans la soirée. D'accord, c'est bien. Finis ton verre avant de partir. Vas-y. Finis-le. Non, ça me va. Au moins, tu ne m'as pas servi d'eau aujourd'hui. Va-t'en. Ouais. Tu m'as entendu, va-t'en. Tu étais censé me raccompagner, allez viens. Doucement, non. Oui, ma chérie. Oh, tu m'as manqué. Tu m'as le plus manqué. Tu sais, j'ai cru que tu ne viendras plus. Es-tu sérieuse? Bien sûr que je suis sérieuse. Je pensais que tu allais me décevoir. Oh, non, je ne peux pas te décevoir. Et bien sûr, j'ai une réunion très importante ici que je ne manquerai pour rien au monde. Tu es donc venue pour le travail? Oh non, pas ça. Tu sais bien que je suis venue ici à cause de toi. C'est ce que je voulais entendre. Alors? Laisse-moi m'habiller et prendre mes affaires. J'arrive. C'est bien. Attends-moi, j'arrive. Attends. Je reviens, attends, je reviens. Attends. Quoi? Oui, eh bien, je voulais te dire que tu vas rester avec moi chez mon ami à l'endroit où je loge. Alors, prends toutes tes affaires. D'accord. Tout. T'inquiète pas pour les affaires. D'accord, merci. Entre. Voilà. Waouh, bel endroit. Oui, donc, bienvenue donc dans l'appartement de mon jeune frère.
Attends, tu as un petit frère dans cette ville? Oui. Allons-y, mais où est-il même? Mervyn! Mervyn! Si t'es de retour, viens dans la salle à manger. Le repas est prêt. D'accord. Tu l'as entendu? Allons-y. Allez, par ici, par ici. C'est un type tellement cool. Oui, tu vas l'aimer, tu vas l'aimer. Le voici. Viens, viens, viens t'asseoir. Assieds-toi par ici. Oui. Pousse, 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 pousse de l'autre côté. Vas-y. Oh, yeah. Alors, Mervyn, assieds-toi, assieds-toi. Et enfin, Mervyn, voici donc ma fiancée, ma très belle Sia. Et Sia, Mervyn, mon petit frère, il est très turbulent, mais je l'aime comme ça. Oui. Est-ce que vous allez juste vous fixer l'un et l'autre? D'accord. Bonjour, Mervyn. Bonjour, Sia. Ton repas m'a manqué. Tu sais, j'ai voulu manger quelque chose à l'aéroport, mais je me suis dit, t'en fais pas. Attends, tu veux dire... Mon frère m'a dit que la femme qu'il va épouser est très belle. Mais je savais pas qu'elle était aussi belle. C'est sûr qu'il a de bons yeux pour les bonnes femmes. Bien sûr, je devrais vraiment, tu vois, faire attention à la femme avec laquelle je vais passer le reste de ma vie. Alors j'ai choisi la meilleure. Non, ta cuisine m'a manqué, mon frère. C'est vraiment délicieux. Très, très délicieux. Et si tu le dis. Sia. Que penses-tu? Le repas? Je ne sais pas flatter. Pour dire la vérité, c'est très bon. Bien. Très bon. Tu vois? Si elle est d'accord. Alors, puis-je avoir un peu de vin? Oui, oui, du vin. Bien, comme nous sommes chez toi, tu en as l'honneur. Tu sais, je devrais trouver quelque chose à manger à l'aéroport, mais j'ai dit non. Mervyn aura quelque chose. Ça, tu le sais bien. Quelque chose de grand. Et me voici. C'est bien. Oui. Finalement à la maison. Retrouvailles. Très longtemps. Bébé. Oui. Pourquoi ne m'as-tu pas dit que tu as un petit frère en ville? Parce que je voulais que ce soit une surprise et... Je voulais être celui qui vous présenterait l'un à l'autre. Oui, mais tu aurais quand même pu me le dire. J'aurais pu lui rendre visite. Mais t'es là maintenant et c'est tout ce qui compte. Oui. Et toi, tu te casses la tête, tu travailles toute la journée. Je croyais que tu étais censé être en congé. Je le suis, mais je dois quand même bouger. Je dois conduire cette affaire à bout avant notre départ. Et il y a ces documents et ces présentations que je dois finir avant notre départ. Mais chérie, tu as promis ne pas travailler. Je sais. Mais ces documents sont très importants. Peux-tu m'aider à faire sortir ceux-ci? C'est bien.
Tu ne m'as jamais dit que tu étais fiancée. Tu n'as jamais demandé. C'est mon frère. Nous sommes censés nous amuser entre amis, tout simplement. Je sais... Mais pourquoi, je ressens cette douleur dans mon cœur? Pourquoi je me sens comme mon cœur me fait mal? Je ne peux plus respirer. Je ne comprends pas. D'où est-ce que ça vient? Et pourquoi ne voulais-tu pas qu'il sache qu'on s'était déjà rencontrés? Il n'y a rien à dire. Il vaut mieux ne rien dire. D'accord, c'est bien. Nous n'avons rien à cacher. Ouais. Pourquoi es-tu encore debout? Pourquoi bois-tu à cette heure au lieu d'être au lit? Tu devrais être aussi au lit. Qu'est-ce que tu fais là? Je ne sais pas. Tu devais être avec mon frère. Tu as raison, je devrais y être. Hey.
Bonjour. Bonjour. As-tu bien dormi? Oui, très bien dormi. Bien, tes lèvres le disent, mais tes yeux disent autre chose. Réveille Donald pour que nous puissions prendre le petit déjeuner ensemble. Oui, bien sûr. Oui. Donald, t'es toujours comme ça, toujours collé à ton portatif en train de bosser. Les vieilles habitudes sont toujours là. Oui, mais tu es sur le point de te marier. Tu devras faire de la place pour ta femme. Eh bien, Dieu merci, j'épouse une femme qui me comprend et ma passion pour le travail. Elle peut te comprendre, mais tu sais, une femme seule est une femme triste. Mais tout le monde n'est pas comme toi. Il y en a qui aiment leur vie paisible et tranquille. Oui, ça me rappelle ta mystérieuse amie. Est-ce que vous vous voyez encore? J'espère que tu t'es débarrassé de cette émotion. Nous ne nous voyons plus. Et pourquoi? Il se trouve que... elle est fiancée à quelqu'un. Wow. Fiancée? C'est énorme. Maintenant, tu vois la raison pour laquelle je t'ai conseillé de ne pas investir tes émotions. Oui, mais... j'ai essayé. J'ai beau essayer, mais... mes émotions n'arrêtent pas de me trahir. Elles n'arrêtent pas de... Mervyn, es-tu sur le point de pleurer? Non. Oh... non, mais comme je l'ai dit, mes émotions n'arrêtent pas de me trahir. Tu sais, quand je l'ai rencontrée, j'ai juste besoin d'une amie, quelqu'une, à qui parler, avec qui passer du temps. Et maintenant, je suis tellement habitué à elle que... je n'ai plus aucune idée de comment cesser d'être avec elle. Je suis vraiment cloué. Eh bien, je pense que tu dois quand même aller de l'avant, quoi qu'il en soit. Oui, vraiment. Voilà. Voilà pour toi. Ah.
il n'y a aucune chance que ce match se termine par un match nul. Il n'y a aucune chance qu'il ne tombe pas. Ah ah. D'accord. D'accord. C'est tout ce que tu as à dire. Je veux dire que le match se terminera de la façon dont il a été conçu pour se terminer. C'est pas la peine de me casser la tête. Je pense que Espoir FC du jour va gagner le match. Qui le dit? C'est moi qui le dis. Ah ah, ne vois-tu pas le jeu d'Espoir FC? Non, ne va pas là. Hein. Ces gardes ne sont pas aussi forts qu'ils étaient auparavant. C'est juste la finition qui manque. Quoi d'autre? Regarde ce qu'ils font. J'ai essayé de leur dire hier. Ce que je te dis, c'est que... Oui, allô, je vous écoute. C'est moi qui le dis. Il n'y aura pas match nul, même pas. Marvin. Oui? Donald est-il allergique à la détente? C'est un homme. Pourquoi ne pas lui demander? Mais je l'ai fait! Et tout ce que j'obtiens, ce sont des excuses sur excuses. Mais... D'accord, il dit qu'il est en congé, mais il travaille toujours. Donald sera toujours Donald. Allez, laisse ça. Viens prendre son jus. Je n'en veux pas. Moi, je bois celui-là. Ce gars est fou. T'es prêt? Oui. Non. Marvin va t'amener. Oui. Qu'est-ce que tu veux dire par Marvin va m'emmener? Je... Nous étions censés aller au centre commercial ensemble. Oui, bébé, je sais, mais... j'ai reçu un appel urgent pour une réunion urgente que je ne dois pas manquer. S'il te plaît, essaie de comprendre. D'accord, bébé. S'il te plaît. Non, d'accord? C'est injuste. C'est tellement injuste. Allez, bébé, s'il te plaît. Bébé, Marvin est vraiment amusant. Je ne veux pas y aller avec Marvin. Je vais y aller avec toi, Donald. Allez, bébé, essaie de comprendre. Marvin, parle-lui. Si ta belle-sœur, tu peux lui faire retrouver la raison. Non, Donald, je lui dis absolument rien. Jésus, qu'est-ce que tu fais? Elle a besoin de ton attention. Donne-lui l'attention. Alors, qu'advient-il de mon travail? Qui le fera? Donald, il faut trouver un équilibre. Il faut donner aux deux leur véritable attention, sinon l'une d'entre elles fondera. Devrions-nous concentrer sur des émotions quand il y a des factures à payer? Parle-lui, frère. Jésus-Christ. C'est ce que je dis. Je ne sais quoi faire. Je ne sais quoi faire. Tout ce qu'il fait, c'est de... rester irréçu sur son téléphone toute la journée. À répondre à des mails, envoyer des messages. C'est tout ce qu'il fait. Travailler. Écoute, c'est comme si la relation est juste stagnante. Comme si elle n'allait nulle part. C'est ennuyeux.
Honnêtement, je vois bien qu'il a du mal à s'accrocher. Mais je ne veux pas me compliquer la vie. Je m'occupe juste de mes affaires autant que je peux. Je le ferai. Merci. Bébé? Oui? J'ai obtenu un ticket pour aller suivre un film de Danny Force au cinéma à 20h. Hein? Oh, cinéma? Mm-hmm. Ce soir? Oui, ce soir. Oh, bébé, tu aurais dû me prévenir un peu plus tôt. C'est un peu trop soudain, tu vois. Donald, même si je te donne une vie entière, tu n'auras toujours pas le temps. Oui, mais au moins tu aurais quand même me prévenir un peu plus tôt. Pour que je puisse faire un effort. Bébé, écoute. Il y a du temps et nous allons... Doucement. Tu vois, celui-là, il faut que je le soumette. Oui, vraiment. Nous irons, il y a du temps. Non. D'accord, j'ai quelques mails importants ici que je dois répondre avant 20h. Et à 21h, j'ai réunion virtuelle avec ces autres gars. S'il te plaît, bébé. Es-tu sérieux? Oui, d'accord, tu peux aller avec Mervu. Non, je ne peux pas. C'est pour toi et moi que j'ai acheté le billet. Quoi, tu veux que ton frère prenne ta place? Qu'est-ce qu'il y a de mal à ce que mon frère vienne avec toi? Quoi de mal? Parce que c'est pas lui mon fiancé. Il n'est pas celui avec qui je vais me marier. Il n'est pas celui que j'aime. C'est pas lui mon fiancé. Bébé, pourquoi essaies-tu de faire un problème autour de ça? Pourquoi des problèmes là où il n'y en a pas? Parce que c'est ta future femme, Donald. Merci! Elle a besoin de ton attention, donne-lui l'attention. D'accord, si tu veux l'attention, juste laisse-moi finir ceci et nous pourrons rester à la maison, passer du temps. Mais si tu veux sortir... Mervin, tu la prends s'il te plaît, laisse-moi finir ce truc. Donald, le film ne dure que 2 heures. Je suis sûr que tu peux faire quelque chose. Mervin, je ne peux pas. D'accord, je dois finir ce truc. Je dois... Vas-y avec elle, non? Pourquoi essaies-tu de compliquer les choses? Laissez-moi finir ce truc. Tu vas bien? Oui, je vais bien. D'accord. Merci. Tu me dis merci pourquoi? Je ne sais pas comment le dire, mais... Comment se fait-il que tu me fasses sourire si facilement? Comment fais-tu? Je sais pas quoi te dire.
Ça va, monte cette musique. J'aime bien. Comme tu veux. Cette chanson. Maman plombée, établissement merveilleux. Sia, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu pleures? J'espère que ce n'est pas une de tes pranks. J'ai pas envie de rentrer à la maison. Pourquoi? Reste avec moi. Je veux rester ici avec toi, je veux pas rentrer à la maison. S'il te plaît. C'est Donald qui appelle. Je pense pas que nous ayons le choix. Nous devons rentrer à la maison. S'il te plaît, juste, s'il te plaît, reste avec moi. Tu sais qu'il le faut à un moment donné. Très bien. Je vais rester un peu plus longtemps si cela te ferait sentir mieux. Oui, c'est ça. Viens. Ça va. Allez, donne-moi, je veux aussi manger un peu. Je suis en train de suivre un film. Tu n'as que ça à regarder. Oui, c'est un très bon film. Ça m'intéresse vraiment. Mais voyons, qu'est-ce qui est intéressant à regarder dans ça? Ouais, quoi? C'est toi qui le dis. Puis-je en boire? Oui, bien sûr. Pourquoi est-ce que je te demande même? Attends, laisse-moi goûter voir. Vas-y. Ne te fâche pas. Donne-moi. Tu veux encore? Attends. Je veux manger aussi. Tu vois pas que c'est intéressant? Moi, je n'aime pas les films d'action, donc... Allez, prends ça. Et donne-moi ça là. Tu m'as pas demandé de le faire, mais tu veux t'en accaparer. Attends. Et à quoi? Laisse-moi t'enlever ceci. Oh. Merci. Ça se paye. Y a rien là-bas. Enlève ta main. Oh. C'est quoi ça?
Bébé. Bébé, où es-tu? Oh, es-tu dans la cuisine? Bébé. Alors, tu n'en as pas eu assez au cinéma. Parfois, tu te comportes comme un enfant. Bébé. Sia. Oui? Lève-toi. Lève-toi. Va dans la chambre pour dormir. Tu sais quelle heure est-il? C'est le matin, il est 5h30 déjà. 5? 5. T'es sérieux? Non, je plaisante. Allons-y. Pourquoi as-tu quitté la chambre? Quoi? Tu vas bien? Tu vas bien? Oui. Je viens juste de me rappeler que j'ai un email officiel à répondre. Tu devrais prendre ton travail au sérieux. Prends le papier. Bois un peu d'eau. Oui. Tu dois prendre ton travail au sérieux. Qu'est-ce que tu as? Je dois vérifier quelque chose que j'ai laissé en haut. T'en fais pas. Je l'ai déjà mis en bas. Assieds-toi et mange. Merci. Pouvez-vous m'envoyer le deuxième fichier maintenant? D'accord, merci. D'accord.
Bébé? Oui. Quelle est la date d'aujourd'hui? 1er avril. Pourquoi? D'accord. Tu te souviens de quelque chose? Oh oui. J'ai une réunion aujourd'hui avec cet homme que j'ai rencontré dans l'avion venant de Abuja. Il est un client potentiel. Oui, à 12h, je dois avoir une réunion avec lui. Merci de me le rappeler. Attends, tu es sérieux? Mais, y a-t-il quelque chose d'autre? T'inquiète, rien. S'il y a quelque chose d'autre, s'il te plaît, dis-le-moi. Il n'y a rien, ce n'est rien. D'accord? D'accord. Je pensais à ce pitch deck que je voulais faire, mais... D'accord, t'en fais pas. Je vais sélectionner le... Je vais voir et... Même aujourd'hui, Donald, mon jour d'anniversaire, les affaires sont encore plus importantes. Ils ne se rendent même pas compte que c'est mon anniversaire. Et voilà. Allô? Oui, s'il vous plaît, envoyez-moi le second dossier. Oui. Non, c'est pas au complet ici. Oui. D'accord, merci. Vraiment? Waouh! Voilà, tout le monde est concentré sur ses affaires. As-tu dit quelque chose? Oui, j'ai dit quelque chose. Quelle est la date d'aujourd'hui? 1er avril. Exactement. Et alors? D'accord. J'arrive. Hey. Bonjour. Bonjour. Pour moi? Oui. Oh, wow. Vous allez signer ici. D'accord, merci. Ah, donc tu t'es rappelé de moi. Joyeux anniversaire de la part de... Mervyn? Oh, wow. Joyeux anniversaire. Oh mon Dieu! Merci! Joyeux anniversaire. Merci beaucoup. Comment l'as-tu su? Eh bien, j'étais un peu confus quand tu as dit 1er avril. Là, j'ai décidé d'aller sur tes réseaux sociaux et j'ai cherché des souvenirs du 1er avril et puis, boum, c'est ton anniversaire. Alors, j'ai décidé de faire quelque chose juste de petit. C'est vraiment gentil de ta part. C'est la meilleure chose que quelqu'un ait jamais fait pour moi depuis longtemps. Joyeux anniversaire, bébé. Comme je le disais, c'est tellement attentionné. Merci, merci. Tu m'as vraiment surpris. J'aimerais pouvoir te porter. C'est incroyable. Merci. C'est ici que tu vas l'ouvrir. Et puis tu m'as offert des fleurs. Uh-huh. C'est très attentionné. Tu les aimes? Bien sûr que je les aime. Tu les sens? Et voilà, c'est ce que j'ai pu faire. Hein. C'est sympa. J'étais vraiment pressée et puis c'est tout ça. Tout ça pour moi. Merci beaucoup.
Merde! Qu'est-ce qui ne va pas avec moi? Qu'est-ce qui ne tourne pas chez moi? Comment est-ce que j'ai oublié? Comment? Oh, maintenant elle va penser que son petit ami est la pire personne sur Terre. Bébé, je suis vraiment désolé. C'est bon, pas d'histoire pour l'instant. Tu n'as pas besoin de t'excuser. Pour te dire vrai, je ne sais réellement à quoi je pensais. Quand j'imaginais que ta présence à la maison allait apporter une différence. Mais rien n'a changé, tout est pareil. Bébé, s'il te plaît. Allez, juste... S'il te plaît. Calme-toi. Hein? Au moins, Mervyn a fait quelque chose. C'est mon frère. Attends. Es-tu en plaisantant? Non, c'est une blague. Est-ce que tu t'entends parler toi-même? Suis-je fiancée à Melvin? Est-ce Melvin que je suis sur le point d'épouser? Bébé, calme-toi. Ne me dis pas de me calmer. Mais tu as besoin de te calmer quand même. Je suis désolé. D'accord. Pense à ceci. Ce soir, juste toi et moi, dîner. Je vais laisser tomber mes téléphones et nous allons juste faire tout ce que tu voudras. Attends, tu promets? Sur l'honneur. J'espère que tu ne vas pas me décevoir cette fois-ci. Jamais. Merci. T'aimes bébé. Je t'aime. C'est bon. Allez, tu dois te calmer, d'accord? Calme-toi, il sera bientôt là. Melvin, il a dit 18h30. Il est 18h30 et plus. Il n'appelle même pas. Je l'ai appelé, il ne répond même pas aux appels. Oui, mais reste calme. C'est ton anniversaire. Je suis sûr qu'il viendra, d'accord? Il a dit, alors il viendra. Qu'est-ce qu'il y a? Comme d'habitude. Il dit que nous devons célébrer l'anniversaire à la maison. Qu'il a une occupation. Donald. Tu vois-tu tout ce que je traverse? Vois-tu tout ce que je dois supporter? Il n'a même plus aucun temps pour moi. Hé, juste calme-toi. D'accord? C'est ton anniversaire et t'as pas besoin d'être comme ça. Hey, regarde les choses du bon côté. On peut toujours fêter ça. Ce qui veut dire? Veut dire que c'est ton anniversaire. T'as besoin de gâteau. Quel anniversaire sans gâteau? On a besoin de décorer la maison. Tu vois, qu'est-ce qu'on cuisine pour l'anniversaire? J'ai jamais célébré le mien. Jamais. Alors, on célèbre le tien, donc il nous faut du gâteau. Et quoi encore? Hey, reviens. On va le faire bien, d'accord? Es-tu sûr? Fais-moi voir ce sourire. Souris, non. Par où commençons-nous? Tu es très bien quand tu souris, alors, souris. Je vais le faire. Par où commençons-nous? Ben, où est-ce que je peux trouver ce gâteau qui sera vraiment... Ballon? Et celui de ballon peut... C'est mon jour d'anniversaire et c'est ce oui, que j'ai choisi. Oui, je n'ai jamais célébré l'anniversaire. Je veux donc celui de ballon. Ballon, juste à ballon. Et si je disais qu'on aille à...
Joyeux anniversaire à moi. Joyeux anniversaire. Quand je pense que c'est aujourd'hui mon anniversaire. Et que tu continues de me décevoir. Tu as osé me poser un lapin. Pas de problème. Je n'ai jamais pensé qu'être en couple serait aussi horrible. Ou devrais-je essayer quelqu'un d'autre ? C'est à ça que ressemble mon anniversaire. Des larmes au lieu que je sois heureuse. Ne fais pas ça. Donald peut ne pas être là. T'as pas besoin de sa présence pour être heureuse. Le bonheur, c'est quelque chose que tu te dois à toi-même. Ne fais jamais, jamais passer quelqu'un devant ton bonheur. Mais il a promis. Il a promis qu'il ne va pas me poser un lapin. S'il te plaît, oublie sa promesse. Oublie-la. Il reste moins de 30 minutes pour la fin de ton jour d'anniversaire. Fais en sorte que ça compte. Comment ? Allez, célèbre-toi toi-même. Célèbre ta réussite. Célèbre le bon Dieu. Juste fais quelque chose de fou. Comme quoi ? Si tu me le permets, je vais te le faire profiter. Tu me fais confiance? Oui, pourquoi? J'ai eu une idée de fou. Oh non, il recommence encore. Quel est ton plan cette fois-ci? Fais-moi confiance. D'accord, je te fais confiance. Ah. Tu voulais... Non. Allez, descends. Prends le gâteau. Non. Allez, viens. Tu es sérieux là? Viens. Je n'arrive pas à croire que tu l'aies fait. Allez, viens seulement. Écoute, c'est une idée très folle, mais je t'assure que tu vas l'aimer. Time, I'll rewrite the tale of
could turn back the hands of time. I'll rewrite the tale of love so I can fix all I've broken. I'll make it up to you again. If I could turn back the hands of time, I'll rewrite the tale of love so I can fix all I've broken. If I could turn Je me suis tellement bien amusée, comme si c'était c'est le meilleur anniversaire. Excuse-moi de tous les autres. Et oui. J'ai aussi fait la même chose aujourd'hui. J'ai apprécié chaque partie de la soirée. Chaque partie. Merci Mervyn. Mm-hmm. Merci de m'avoir toujours donné le sourire et je t'aime pour cela. Juste ça. Bien. J'aime absolument tout. J'aime ta façon d'être. La façon dont tu prends soin de moi. Et Donald. Oui, je l'aime. Mais... Il n'y a pas de main. D'accord. Comment vous vous êtes rencontrés? Oh. Disons que Donald et moi, nous nous sommes rencontrés lorsque j'ai été admise à l'université. Mes parents étaient pauvres et n'arrivaient pas, tu vois, à payer mes études, donc j'ai dû galérer. Oui, galérer. Pour être précise, je vendais des oranges. Acheter des oranges. Désolé. Bien. En ce jour d'espoir, je rentrais du travail et j'ai été renversée par une moto. Et le conducteur avait fui. Simultanément, ton frère sortait de l'hôtel d'à côté. Il m'a vu et il m'a aidé. Il m'a amené à l'hôpital et s'est occupé des factures. Oui, ça c'est Donald. Bien. Il voulait que j'arrête de vendre. Bien sûr, cela n'a pas été facile. Alors nous en avons discuté et discuté jusqu'à ce que, éventuellement, il a cédé. Il a dit qu'il allait payer mes études jusqu'à ce que je ne finisse l'université.
Tu sais, je croyais qu'il plaisantait. Mais ton frère a tenu parole. Il n'a pas seulement tenu parole, il est allé plus loin. Il a créé une entreprise pour mes parents. Pratiquement, il nous a sortis de la pauvreté. Bien. Bizarrement, rien n'a mentionné qu'il voulait avoir une relation avec moi jusqu'à ce que je ne sois diplômée de l'université. Alors, tu sais, quand il m'a demandé que je sorte avec lui, j'ai pas hésité. De la même façon que j'ai pas hésité quand il m'a demandé de l'épouser. Alors, tu sais, nous avons bien commencé. Mais il est devenu très occupé. Depuis que j'ai commencé à sortir avec ton frère, mes anniversaires ont été des déceptions. Je pensais que je me plaignais de trop parce que je n'avais pas un travail. Mais il est allé de l'avant et m'a trouvé un travail. J'ai travaillé dur. Comme d'habitude. J'ai tellement travaillé et souffert que maintenant j'ai grand envie de me divertir et de m'amuser. Mais tu vois, ton frère, il n'est pas de ce genre. Pour lui, c'est manger, dormir, travailler. Lui et son travail sont inséparables. Je veux dire, je suis tombée amoureuse de lui pour ce qu'il était. Alors j'ai accepté que les choses se passent ainsi, mais oui, nous allons nous disputer, oui, nous allons nous battre, mais j'en ai eu assez de vouloir son attention et de me battre pour je suis une famille, j'ai des besoins. J'ai besoin d'attention. Alors j'ai simplement décidé de me donner le plaisir autant que je peux. Vivre pleinement ma vie. Jusqu'au jour où je te rencontre. Moi? Oui, toi. Tu m'as montré ce que devait être une vraie compagnie. Et puis, tu m'as aussi fait comprendre que pour m'amuser au maximum, je ne pouvais le faire toute seule. Écoute, maintenant que j'ai réalisé ce que j'étais et à quel point je m'en suis éloignée, je ne veux pas redevenir la même personne. Si ton frère veut cette relation, il va falloir qu'il se batte pour ça. Justement, il a parlé de quelque chose comme prolonger son voyage en cœur de 5 jours. C'est une bonne chose, n'est-ce pas? C'est une bonne chose. Cela vous donne du temps pour résoudre ce problème. C'est-à-dire, avant le mariage, vous devez régler tout ce problème. Ouais. Voilà. Je suis un partisan du sacrifice pour l'amour. À 100%, je soutiens. Mais je ne soutiendrai pas quelqu'un, il ou elle, se perdre-t-il ou telle pour l'amour. Non, je ne soutiendrai pas cela. Tu sais, la fille qui va finir par se marier avec toi, elle aura beaucoup de chance. Mais cette fille aurait été toi. Si mon frère n'y était pas. Qu'est-ce que tu dis? Je ne suis pas ivre. Mmh.
Si Donald n'était pas dans ta vie, est-ce que j'aurais eu une chance? Oui, il est 1h du matin et il n'est toujours pas là. Il m'a encore beaucoup déçu. Oh mon Dieu! Où peut-il être jusqu'à cette heure-ci? Bien, je ne sais pas. Je m'en fiche. Je veux juste boire et me noyer dans l'alcool. Vas-y, finis avec. Bébé, lève-toi. Allez, viens. Viens. Allons-y. Alors t'es réveillé. C'est quoi toutes ces conneries? Comment peux-tu la laisser boire autant? Hein? Donald. D'où est-ce que tu viens? Il est 4h du matin. J'avais un client et il m'a demandé de l'accompagner à la fête d'anniversaire de sa femme pour qu'il me présente à quelques-uns de ses amis avec qui je peux faire affaire. Tu as abandonné la fête de l'anniversaire de ton fiancé. Peur des amis? J'ai pas dit amis. J'ai parlé d'affaires. Client. Oui, client. D'accord? Et tu t'attends pas à ce que je laisse là où je dois gagner de l'argent et aller là où je dois dépenser de l'argent. T'as besoin d'être pratique dans tes pensées. Pratique? Oui. Pratique. Pourquoi oses-tu le ton? Donald, peux-tu t'écouter? Si tu avais été pratique, tu aurais pu en effet inviter Sia pour l'anniversaire. Eh bien, Sia n'aurait été rien qu'une distraction. D'accord? Elle devrait comprendre. Il n'y a rien à comprendre. Il n'y a rien à comprendre du tout. Rien. Tu lui as posé un lapin. Tu lui as posé un lapin aujourd'hui, son anniversaire. Comme tu l'as toujours fait à tous ses anniversaires depuis qu'elle a commencé par sortir avec toi. Pourquoi oses-tu le ton? Et pourquoi elle te dirait cela? Ce qui est censé être entre nous pauvres... Jésus-Christ, Donald. Sia t'aime bien. Elle t'aime et tout ce que tu fais, c'est de la mettre au second plan de ta vie. Pourquoi? Je te le dis franchement, mon frère. Ça, c'est une grosse erreur. Une très grosse. Si tu ne peux pas la garder ou la rendre heureuse... Alors laisse-la partir. Tu la laisses partir. T'as pas besoin de rendre la vie d'une femme aussi amère. J'aime bien Sia. Très bien. D'accord? Mais elle doit comprendre que je suis un homme d'affaires. Et en fait, je pensais qu'elle l'avait compris. Je ne peux pas. Je répète, je ne peux pas répondre à toutes ses attentes émotionnelles. Elle doit grandir et comprendre que je fais tout ceci pour nous. Elle ne se soucie pas de ton argent. C'est ce que tu ne comprends pas. Elle ne se soucie pas de ton argent. Tout ce dont elle a besoin, c'est l'attention, Donald. Amuse-toi avec
elle. Prends du temps avec elle. Est-ce trop demandé? Alors donc, et quand nous aurons fini de tourner en rond en ville, de dépenser et gaspiller de l'argent, nous reviendrons à quoi? Comment mettre des vêtements dans nos valises? Comment prendre en charge les dépenses de la maison? Comment construire un avenir pour nous-mêmes? Toi plus que quiconque devrait comprendre que s'il n'y a rien que je redoute, il n'y a rien que je redoute comme la pauvreté. Je ne veux pas être aussi pauvre que nos parents. Raison pour laquelle je fais tout et n'importe quoi. Pour m'assurer que je garantisse l'avenir de ma famille. Et elle a besoin de comprendre cela et s'inscrire dans cette vision. Eh bien mon frère, c'est une conversation que tu dois avoir avec elle. Écoute Donald, t'as besoin d'avoir cette conversation avec elle. Parce que avoir les choses, chacun d'entre vous deux veut une chose différente pour cette relation. Et tu dois le faire. Parce que si tu ne le fais pas, cela pourrait vous nuire. Jésus-Christ. C'est incroyable, Donald. Donne-moi cette bouteille, tu en as déjà beaucoup pris. C'est quoi toutes ces conneries? Dans ta chambre. C'est injuste. C'est injuste. Ceci est injuste. C'est injuste. Il ne sait même pas ce qu'elle veut. Pourquoi est-elle toujours avec lui? Pourquoi pas avec moi? D'accord. Pouvez-vous m'aider à reprogrammer ce rendez-vous? Oui, merci. D'accord, merci. C'est bon. À plus. Salut, beauté. Voilà. Le petit déjeuner est prêt. D'accord, je sais. C'est pas exactement ce que tu ressens, mais je sais que tu as envie de me mettre une claque. Mais tu as besoin de manger pour avoir l'énergie de le faire. Je n'ai pas faim. Allez, bébé. Le petit déjeuner est le repas le plus important de la journée. Je suis sûr que tu en as entendu parler. Ah. Écoute. Si c'est ta façon d'essayer de corriger ce que tu as fait hier, je ne vais pas te laisser facilement, d'accord? Je sais. Et je suis désolé. Je suis désolé. Mais s'il te plaît, mange, d'accord? Je suis désolé. D'accord, alors franchement, hier, j'ai voulu faire plaisir à un client et... C'est ça, prends-le. Prends-le de ma main, s'il te plaît. Assez. Tout avec toi tourne autour du travail. Écoute, je suis fatiguée, d'accord? J'ai l'impression d'être dans une sorte de relation contractuelle ou une sorte d'emploi, dis donc.
Écoute, je suis malade et fatiguée. Et je ne veux plus rien entendre. D'accord? Donald, je suis ta femme. J'ai l'impression d'être dans une relation à trois personnes. Toi, ton travail et moi. Écoute, tu vas devoir choisir entre ton travail et moi. Mais bébé, je ne peux pas laisser mon travail. Donc tu le choisis alors. Mais bébé, ça c'est pas juste. Je travaille pour nous. Et j'ai dit que j'étais fatiguée, d'accord? Je suis fatiguée que tu me mettes de côté. Tu vas devoir choisir entre ton travail et moi ou... s'il te plaît, je suis pas d'humeur. Y a-t-il un problème? Non, pourquoi? Nous n'avons pas eu de rapport intime depuis que je suis arrivée tard. Et où est ma faute dans ça? Comment c'est ma faute? Tu as la tête enfouie dans ton ordinateur du matin au soir. M'ignorant moi et mes attentions et maintenant tu veux te plaindre? Tu as perdu ce droit. Pardon. Bébé, je suis désolé. Alors, maintenant, je demande. Et maintenant, je te dis que je ne suis pas une machine que tu peux éteindre et allumer à volonté. Ou bien c'est ce que tu penses? Pourquoi deviens-tu si difficile? Attends, qu'est-ce que tu as dit? Que je deviens difficile? Oui. Tu sais quoi? S'il te plaît, ne tente pas le diable. Non, me pousse pas à bout ce soir. Ce que tu es en train de ressentir est faux. Et tu le sais très bien. Écoute, j'ai essayé de me consoler, d'accord?
J'ai essayé. Mais ma tête ne veut pas se débarrasser de Mervyn. Et pourtant, j'ai toujours voulu être avec Donald. J'ai toujours voulu être intime avec lui parce qu'on ne l'est presque jamais. Pour la première fois, j'ai dû penser à Mervyn pour être avec Donald. Je sais que j'aime Donald, mais c'est quoi ce que je ressens pour Mervyn? De quoi s'agit-il? Tu vas te marier avec Donald et tu as besoin de te concentrer. Et tu crois que je ne le fais pas? Tu penses que je ne me suis pas dit cela? Je veux être avec Mervyn. Tout ce à quoi je pense. Écoute, c'est Mervyn. Je veux m'accrocher à lui. Mon corps tremble pour lui. Je veux être avec lui et le prendre, c'est tout. Pas avec Donald. Il n'a pas mon temps. Il n'agit pas comme s'il veut de cette relation. Je n'ai pas pensé le quitter, mais rester avec lui ne me semble pas bien non plus. C'est pas bien. Mervyn ne va jamais trahir son frère pour t'épouser. Alors la meilleure chose que tu puisses faire est de faire asseoir Donald et de lui parler. Lui dire ce que tu ressens à propos de votre relation et les choses que tu n'aimes pas. C'est la seule façon pour que cela fonctionne. Je suis sûre qu'il y aura des changements. Sinon, tu perds les deux hommes. Alors, qu'est-ce que tu essaies de dire? Que j'abandonne mon travail et aller me promener comme des jeunes sans emploi, c'est ce que tu veux? C'est pas ce que je suis en train de dire. Ce que je dis est que je veux me détendre, d'accord? Faire des choses amusantes, avoir des loisirs. Nous ne sommes pas en vieille couple. Mais je peux pas, d'accord? J'ai du travail à faire, j'ai des papiers, j'ai des projets à réaliser. Je ne peux pas laisser mon travail et aller me promener comme un jeune sans emploi. Je pensais que tu avais compris cela et tu m'avais accepté comme je suis. T'accepter comme tu es? Oui. Je suis désolée, mais je ne peux pas, d'accord? Écoute, quand nous étions à Abuja, je devenais quelqu'un d'autre sans savoir qui au juste. Tout ce à quoi je pensais, c'était seulement travail, travail, travail. Je peinais pour t'avoir et me battais pour ton attention. Mais bébé, quand nous sommes arrivés à Lagos, ça m'a permis de réaliser que j'ai besoin de profiter de la vie, d'accord? Je veux faire des choses amusantes, visiter des lieux amusants. Je ne veux plus redevenir cette personne. Je ne veux plus. Cette relation est ennuyeuse. Es-tu en train de voir un autre homme? Un autre homme? Pourquoi l'envisager? Parce que je ne la comprends plus finalement. Son attitude envers moi a changé. Écoute, j'aime bien Sia. Et je vais passer le restant de ma vie avec elle. Je ne comprends pas. D'où est-ce qu'elle sort cette idée et me le répète tout le temps? Et pour dire vrai, elle me demande sans cesse ce que je ne peux pas lui donner. Pas maintenant et ni dans le futur proche. Bro, tu dois te calmer. Calme-toi. Je suis sûr qu'il n'y a pas un autre homme. Et pour ce que ça vaut, ton attitude envers elle n'est pas encourageante non plus. Oui, c'est une fille vive qu'il faut essayer de retenir afin de ne pas se rébeller. Mais j'ai toujours été moi. J'ai toujours été moi. Et elle ne s'est jamais plaint. Alors, que vas-tu faire? Je suppose que je vais devoir l'épouser aussitôt possible pour ne pas perdre la seule fille que j'aime. Mais je ne suis pas prêt à la perdre pour toi non plus. Alors, que ferons-nous, mon frère? Sia. Oui. Il faut qu'on parle. D'accord. Je ne peux le faire. Je ne peux plus faire semblant.
Je ne peux pas. Et tu ne peux pas continuer comme ça non plus. Que veux-tu faire à propos? Mon cœur ne peut plus supporter cela, Sia. Je ressens quelque chose si profond pour toi. Je ressens celui de perdre la tête pour toi. Je peux pas te regarder endurer toute cette douleur, je peux pas. D'où cela vient-il? Sia, je ressens quelque chose si profond pour toi et tu le sais très bien. Et je sais que tu ressens la même chose pour moi. Qu'est-ce qui te donne cette impression? Est-ce que je te l'ai dit moi-même? Ouais, je suis peinée et fatiguée de la façon dont ton frère me traite, mais... Ça veut pas dire que je veux le quitter, je l'aime. Tu n'es pas amoureuse de Donald. Non, Sia, t'es pas amoureuse de Donald, je le sais. Tu te sens juste redevable envers lui. T'as l'impression que si tu le quittes, on te traitera de mauvaise fille. T'es pas amoureuse d'elle. C'est quoi? Il te montre tout par flash et tu veux signer son nom? Arrête ça. N'ose plus jamais. Tu me comprends? Je répète, n'ose plus jamais me parler sur ce ton ou me parler de cette manière. Plus jamais. J'ai été avec ton frère pendant des années. Des années. À peine je viens de te rencontrer et tu voudrais que je le jette par la fenêtre. Je ne suis pas ingrate et je ne vais pas commencer maintenant. Tu me comprends? D'accord, oui. J'ai des sentiments pour toi. Mais pourquoi n'as-tu pas pensé que... Je suis fan de toi parce que tu fais les choses que ton frère ne fait pas. Ah! Écoute, tu n'as pas le droit, aucun droit du tout, de te mêler de ce que je ressens pour ton frère, pourquoi je suis avec lui. Est-ce que tu m'entends? Excuse-moi. Take it easy on me. Take it easy on me. I believe in our love. I believe in hopes. Take it easy on me. Take it easy on me. I believe in our love. I believe in hopes. I know I am not so perfect. I know I need to do some more. Take it slow, I know someday we will get there. We are just a little bothered, but I know we will make it through. In this dark, I still see the light in your eyes. Take it easy on me. Take it easy on me. I believe in our love. I believe in hope. Take it easy on me. Take it easy on me. I believe. Not be the one, but I choose this path with you, and I'm ready for anything it takes to be yours. I love to love you better. I want it more with you every night and every day. Oh, I love to be with you. Take it easy on me. I believe in love. I believe in hope. Take it easy on me. Take it easy. Take it easy on me. I believe in our love. We just believe in hope. Take it easy on me. I believe in our love.
Sophia. Si, Je suis désolé, je crois bien que je t'ai mal compris. Et j'ai mal compris les signes que j'avais vus. Je pensais que tu ressentais la même chose que moi. Je suis désolé, d'accord? Tu n'as pas tort, Mervyn. C'est juste que je ne peux pas me permettre de trahir Donat. Oui, donc, laissez-moi finir avec ceci et vous revenir dans 30 minutes et nous allons bien parler de ça, d'accord? Allez, merci. Hey, bro. Mervyn. Oh, oui. Il y a quelque chose dont tu voulais discuter avec moi. Est-ce que tu peux en faire quelque chose de rapide ou... Est-ce qu'il faut attendre? Non, non, c'est bon. D'accord. Tu peux le faire court. Eh bien, c'est bon. Je t'écoute. Tout d'abord, je veux dire que je suis désolé. Je suis désolé d'avoir trahi ta confiance. Je suis désolé d'avoir pensé comme je l'ai fait. Je ne saisis pas bien ce que tu veux dire. Tu te souviens de la fille dont je t'avais parlé? Celle avec qui je traînais. Oh, la mystérieuse fille. C'est pas une fille mystérieuse. D'accord, je me rappelle, tu as dit qu'elle était fiancée. Vous avez repris contact? Oui, elle est fiancée. Elle est toujours fiancée à toi. Et je ne comprends pas très bien. Sia. Elle n'est pas une autre personne, mais Sia. Ma Sia? Bien sûr. C'est la fille que j'ai rencontrée et je suis tombé amoureux d'elle. Celle dont je rêvais et dont je fantasmais. Sia, oui. Et le moment où tu as franchi cette porte avec elle, quand je l'ai vue, ça a brisé mon cœur. Comme si tous mes rêves, tout se brise devant moi. Attends. T'es en train de dire que toi et Sia, vous vous connaissez avant et toi, mon frère, tu me l'as caché? Oui, mais je... Attends. Donc, vous faites des choses derrière mon dos? Non. Mais Donald, pourquoi peux-tu dire de telles choses? Tu es mon frère. Oui, j'ai eu et j'ai toujours des sentiments pour elle, mais nous n'avons rien fait de mal. Je ne ferai pas une telle chose. Waouh. Et je suis censé croire à cela? Tu connaissais ma fiancée bien avant. Tu as tout gardé secret et tout d'un coup tu me le dis et tu m'espères que je crois que rien ne s'est passé. Hein? Waouh. Je pensais que nous sommes des frères. Je pensais que nous sommes une famille. Pourquoi peux-tu me trahir ainsi? Pourquoi peux-tu me poignarder ainsi dans le dos? Comment? Comment peux-tu... Donald, écoute... Ne dis même pas un mot.
J'ai jamais su que tu étais une femme sans morale. Ah ah. Mais maintenant je sais mieux. Qu'est-ce qui exactement ne va pas chez toi? Qu'est-ce que je ne t'ai pas fait? Qu'as-tu exactement demandé et que je ne t'ai pas donné? Je t'ai donné mon amour, je t'ai donné mon cœur, je t'ai donné tout ce dont tu as besoin. Et pourtant, 6 jours de rencontre avec mon frère, tu es déjà dans ses bras. Honte à toi. Qu'est-ce que tu racontes? De quoi est-ce que tu parles? N'essaie même pas ça. N'essaie même pas ce jeu avec moi. Mervyn m'a tout raconté, inclus le fait que tu es avec lui avant même mon arrivée à Lagos. Je vois. Pourquoi es-tu en colère? Écoute, Donald, tu peux me traiter de tout nom que tu veux, n'importe quel nom, n'importe lequel. Mais tu vois, n'essaye plus jamais de m'appeler raté parce que je n'ai rien fait de mal. Non, 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 n'essaie pas cela. Ne joue pas ce jeu avec moi. Ne me mens pas, d'accord? Tu peux croire n'importe quoi. Tu peux croire en la vérité que je t'ai dite ou au mensonge. Je m'en fiche. D'ailleurs, le seul regret que j'ai maintenant, c'est de ne pas être allé jusqu'à faire quelque chose avec lui. Attends. D'accord. Je suis fatiguée. J'ai beau essayer, Donald. Je suis fatiguée. Je ne peux pas être dans une relation officielle où je rivalise avec le travail de mon mari pour avoir son attention. Je ne peux pas m'asseoir et avoir une conversation avec toi parce que tu as la tête enfouie dans ton ordinateur toute la journée. Je ne peux même pas te faire des avances sexuelles et réussir parce que tu me donneras 1001 raisons pour la rejeter. Et pourquoi le travail est aussi important? Mais j'en ai marre, je suis fatiguée. Je ne comprends pas pourquoi ceci devient soudainement un problème. Je ne comprends pas. Parce que tu t'y es habituée et que tu as commencé à traîner, à t'amuser toute seule. Pourquoi est-il un problème maintenant? Oh, donc parce que je me suis... Oui, je me suis habituée. Mais j'ai rencontré ton frère. Oui. Il m'a rappelé la femme que j'étais et que je veux continuer à être. Il m'a montré que on peut être avec quelqu'un et s'amuser tellement. Comme parfois nous faisons des choses qui ne sont même pas réfléchies. Nous sommes spontanés dans nos relations. Mais avec toi, la vie est si dure. Tellement dure. Nous devons tout planifier. Même si nous planifions, tout ça ne marchera toujours pas. Parce que ton travail gagnera. Écoute, Donald, je suis un oiseau. Je veux voler. D'accord? Mais je veux être avec quelqu'un qui veut être avec moi. Je veux être avec quelqu'un qui tient à moi comme je tiens à lui. Je veux être avec un fiancé que... tu vois, qui trouve du plaisir dans les petites choses. Qui peut faire des choses folles avec moi, mais tu n'es pas cette personne. Tu m'as jamais aimé. Oui. Je t'aime bien, mais... Pour l'instant, je ne sais pas si je t'aime ou... si je me sens adaptée à toi. Donc, n'as-tu pas de remords de m'avoir triché? Donald, tricher, c'est mal. C'est mal, c'est pourquoi je ne te l'ai pas fait. Mais attends, pourquoi te mets-tu en colère? Oui, pourquoi t'énerves-tu? Donald, tu m'as poussé 1001 fois vers Mervyn. Tu le fais jouer ton rôle. Alors, pourquoi c'est maintenant que tu t'énerves? Alors, qu'est-ce que tu dis? Écoute, tu m'as dit que tu as choisi ton travail, qu'il est primordial. Moi aussi, je ne peux pas soudainement devenir la femme que je ne suis pas. Es-tu en train de rompre avec moi? J'ai pas besoin de le faire. Nous avons cessé d'être en couple il y a longtemps. S'il te plaît. Thank you.
Sia. Sia. Que se passe-t-il? Où est-ce que tu vas? J'en ai marre, d'accord? J'en ai marre de tous ces scénarios. Je n'en peux plus. Voir mes émotions, mes sentiments, ma tête, tout a chamboulé. J'ai besoin de me vider la tête et de me concentrer. Et je n'ai pas l'intention d'être la raison pour laquelle vous vous disputez. S'il te plaît, j'ai besoin de partir pour que vous puissiez discuter. Donald. Mervyn, s'il te plaît. Donald. Mervyn, laisse-moi. Donald. Ça va. Ne pleure pas, ça va. Ça va, s'il te plaît. Ça va aller. Ça va. Chut. Calme-toi. Sia, tu n'as pas besoin de ça. Calme-toi. Ça va. Ça va. Je ne sais pas comment prier, Seigneur. Peut-être parce que tu m'as toujours donné tout ce dont j'avais besoin, même avant que je ne le demande. Je suis confuse, mais je sais que toi, tu ne l'es pas. Je te remets le combat pour que tu t'en occupes. Tu m'as proposé deux hommes. Je sais que tu prendras la bonne décision pour que celui qui est bon pour moi reste.
Bonjour, frère. Donald, nous sommes des hommes. Agissons comme, s'il te plaît. S'il te plaît, parlons-en. J'ai eu tort d'avoir pensé à ta fiancée de cette façon. C'est mauvais de ne pas t'avoir dit que je la connaissais quand tu l'as amenée dans cette maison. C'est mauvais. Tomber amoureuse d'elle est aussi mauvais. Mais ce que j'ai jamais prévu, c'est de détruire notre maison. Je t'ai tout raconté. Quand je l'ai raconté, je t'ai dit. Je t'ai tout raconté, je t'ai tout dit. Ce que je ressentais pour elle, je t'ai dit. Ce qu'elle me faisait ressentir. Tout ce que nous faisons, je... Quand j'ai découvert qu'elle était ta fiancée, j'ai reculé. J'ai plié bagage. Bien sûr que mes sentiments ne se sont jamais éteints, mais je ne suis jamais passé à l'acte. Même pas une fois. Et elle? C'est une âme pure. Elle n'a jamais, jamais l'intention de te blesser. Jamais. Oui, elle m'aime bien. Elle aime très bien tout ce que nous avions fait ensemble. Et c'est tout. Jamais pour une fois, elle n'a laissé cela contrôler sa tête. Jamais. Parce que ce que nous faisons dans cette relation manque dans la vôtre. S'il y avait cela, elle n'aurait jamais te quitté. Parce qu'elle t'aime. Peut-être qu'elle l'était. Mais plus maintenant. Donald, elle a des attentes. Elle veut encore plus de toi. Plus. Des sorties. Des attachements. Tu sais, des choses folles. Des souvenirs fous. Si tu les en donnes, je te promets qu'elle ne te quittera jamais. Parce qu'elle t'aime. Peut-être qu'elle se sent redevable. Oui, peut-être. Peut-être. Mais c'est pas tout. Parce que je sais qu'elle t'aime et elle me le dit tout le temps. Elle me l'a dit. Que nous avons rompu il y a très longtemps. Et elle m'a dit aussi à quel point tu la rends heureuse. Et elle me dit jusqu'à quel point elle t'aime tous les jours. Tout le temps. Alors que racontes-tu exactement? Je pensais que tu l'aimais, que tu voulais être avec elle. Oui. Oui, je l'aime. Mais si elle est avec moi, c'est à cause du plaisir que nous partageons ensemble. Par contre, elle était à toi depuis des années bien avant de me rencontrer. Alors, je ne serai pas la raison pour laquelle le mariage de mon frère ne va pas tenir. Jamais. Qu'est-ce que tu proposes exactement? Tu vas chez son ami. Tu lui parles. Et tu la ramènes à la maison. C'est ici qu'elle doit être. Donald, je suis désolé pour tout.
Mon ami m'a dit que tu voulais me voir. Comment vas-tu? Le truc est que... Toi et moi avons été ensemble des années. Et je ne vais pas prétendre savoir que tu es une personne amusante et extravertie. Mervyn ici m'a raconté tout ce que vous avez fait tous les deux ensemble. Et sincèrement parlant, je ne pense pas que je peux le faire avec qui que ce soit. Pas avec toi, pas avec n'importe qui, même pas seul. Je peux faire semblant maintenant et dire d'accord, laisse-moi m'adapter et faire toutes les choses que tu me demandes et puis t'épouser. C'est quoi la suite? Combien de temps vais-je continuer à prétendre? Tu t'es plaint de mon travail et comment... Il prend tout mon temps. Tu as raison. Mais le problème maintenant est que mon travail est devenu mon plaisir, mon loisir, mon hobby et tout. Et j'ai l'impression que si je fonce pour te marier, ça ne va pas marcher. Je ne veux pas avoir une femme maigrie ou une maison brisée. Mais qu'est-ce que tu essayes de dire? Je suis aussi confus, Donald. Le truc est que... Je sais que tu m'aimes. Oui, je le sais. Et puis... Une grande partie de toi te sent redevable envers moi. Je veux que tu saches honnêtement que tout ce que j'ai fait pour toi, absolument tout, c'est juste que tu progresses dans ta vie. Prendre soin de toi, je n'ai en aucun cas l'intention que tu me payes en retour. Pas avec quoi que ce soit, et encore moins avec le mariage. Plutôt, je dois être reconnaissant envers l'univers. Tu m'as aimé. Tu t'es inquiété de moi et tu as vraiment bien pris soin de moi. Et je suis désolé de ne pas avoir pu combler cette énergie. Mais mon frère ici présent, Mervyn ici présent, a égalé cette énergie. Il a fait. Qu'est-ce que tu... T'ai-je dit que je voulais être avec ton frère? De quoi est-ce que tu parles? Je ne suis peut-être pas l'homme que tu veux que je sois. Mais je ne suis pas ce genre d'homme à regarder une femme dans les yeux sans savoir exactement ce qu'elle ressent. Et quand je te regarde... Je vois l'amour. Un amour qui n'est plus pour moi. Qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que tu veux dire par « plus pour toi » T'ai-je dit que je voulais Mervyn? Et à quel moment t'ai-je dit que j'étais amoureuse de lui? Donald. Mervyn, tais-toi. Ce que... Je dis que je connais mon petit frère. Quand il aime très fort. Et il t'aime. Et je sens aussi que tu ressens quelque chose pour lui. Du coup, en tant que son grand frère, je vous donne à tous les deux... ma bénédiction de vous mettre ensemble. Alors
Je vais devoir vous laisser discuter. S'il te plaît, attends. Merci. Pourquoi? Pour le fait d'être resté toi. Je ne m'attendais pas à ceci. Merci, mon frère. Tu es mon frère. Et ton bonheur est une victoire pour moi. Alors, et la suite? Tu as dit que tu ne savais pas si tu m'aimais ou si tu m'apprécies seulement. Eh bien, Mervyn, tu seras le plus grand des imbéciles de la vie si tu ignores que je t'aime vraiment. Tu te moques de moi? C'est vrai ce que je dis. Allez bien. Love and his better, and it's sweeter.